Si les réseaux sociaux sont perçus comme un moyen de distraction pour les uns, les autres les considèrent comme un moyen pour se créer de l'emploi. C'est le cas de Marcel Fulano, un étudiant à l'université de Kinshasa, qui a construit une clientèle sur Facebook où il vend ses produits pour subvenir à ses besoins. Tout a commencé ça, il y a de cela 3 ans, lors du confinement. C'était un tout petit peu compliqué de trouver un peu de moyens pour subvenir à nos besoins, à mes besoins personnels. Et du coup, j'avais tenté quand même d'utiliser Facebook comme plateforme. J'ai commencé à acheter avoir des articles, vendre. J'achetais aussi des articles là. Et cela est devenu comme une forme de passion. Et comme avantage que je tire de cette plateforme, c'est que grâce à Facebook, je peux quand même, j'ai quand même une grande audience, plus ou moins, je pense, plus de 120 000 personnes. 90% sont à Kinshasa, plus précisément. Et grâce à ça, j'arrive quand même à vendre une grande partie de mes articles. Dans son métier, il est parfois victime d'escroqueries, l'abus de confiance et l'insécurité. Parmi les difficultés rencontrées, sur Facebook, on tombe souvent sur des personnes qui sont malhonnêtes, qui peuvent confirmer une commande, qui vous font déplacer, vous arrivez sur le lieu, vous l'appelez, malheureusement, il ne répond pas. Des fois, ça peut aussi arriver que vous arrivez, vous rencontrez, il vous présente une somme assez dévalorisante, tout en vous disant que non, ils peuvent payer en tranche. Et lorsque vous acceptez cette contrainte, commencez peut-être une semaine, 2 semaines, une fois que le délai arrive, vous l'appelez, il ne réagit pas. Du coup, cela peut arriver aussi. Au niveau de l'insécurité, puisque je peux aller quelque part, j'ai vu une personne qui est mal intentionnée. Son intention a pour objectif de dérober mes biens particulièrement, ou soit, je ne sais pas, de me faire du mal, ou je ne sais pas. Cela est déjà arrivé. De l'autre côté, je peux aussi citer l'escroquerie par différents moyens de paiement, par exemple M-Pesa, Orange Money. Il y a différentes tactiques maintenant que les gens utilisent. Vous pouvez confirmer une commande et lorsqu'on vous envoie de l'argent, malheureusement, cet argent n'est jamais parvenu. Par contre, vous avez reçu le message. Ça fait partie des différents désavantages. Pour cet acheteur, cette méthode des ventes sur les réseaux sociaux est un moyen facile d'y trouver des articles d'occasion ou neufs sans pour autant se déplacer. Je pense que l'achat sur les réseaux sociaux aujourd'hui est un moyen plus facile de nous procurer un produit. Voilà. Il suffit juste de cliquer sur un lien et du coup le produit est livré à domicile, que ce soit d'occasion ou neuf, peu importe. En dépit des bons services rendus, les cas d'escroquerie sont partagés entre clients et vendeurs, d'où la vigilance est de mise.